Bonsoir mes petits sahbis, j'espère que vous allez bien. Donc, comme l'indique le titre de cette vidéo, on est parti pour un unboxing Shein. Ça va être les promos du 11-11. Donc, comme d'hab, vous avez un code promo, je le mets juste ici. Et je vous mettrai tout en barre d'infos, à partir de quel montant, tout ça, que vous ayez plus de précision, comme d'habitude. Donc, j'ai fait ma sélection pour l'automne. Et il y a quelques flops, des tops et des flops, comme d'habitude. Mon avis reste sincère, malgré que j'ai reçu les articles gratuitement et que Shein m'a rémunéré la vidéo. Bref. Du coup, ben, on va déballer tout ça et je vais vous dire ce que j'en pense au fur et à mesure. On commence en premier lieu par cette combinaison qui, ma foi, paraît toute mignonne vue de la sorte. Mais quand je vais te montrer le calvaire du bas, tu vas comprendre ma douleur. Je vous mets l'image juste à côté. Non, mais cette combinaison, c'est une catastrophe absolue. Sur la neuf, j'avais vu que ça baillait un petit peu ici, mais il y a des limites. Il y a des limites dans la connerie, j'ai envie de te dire. Non, non, c'est pas possible. Ça, c'est liette, c'est pas possible. Donc ça, premier article, déception totale. Je ne valide pas du tout cette combinaison, c'est vraiment une catastrophe absolue. Elle aurait pu être mignonne, mais franchement, non quoi. Je crois que je l'ai pris en M. Il me semble que je l'ai pris en M, mais même en S, c'est pas la peine quoi. C'est pas la peine. Ça, c'est mort, donc je ne valide pas du tout. On commence bien. Alors, ensuite, j'avais pris une écharpe. Une longue écharpe, elle est super longue, super grande, je pourrais jamais vous la montrer. Que je ne foute pas le feu à la baraque avec le chauffage. Elle est super grande, elle est pas trop épaisse, mais franchement, ça passe, vu comment elle est archi grande. Ça, ça déchire, j'aime beaucoup. Oh oui, ça c'est nickel chrome. Franchement, impeccable. Le deuxième article nous rattrape la cata, cette combinaison d'une laideur absolue. Alors ensuite, on a un petit cardigan comme ça, que j'ai associé avec un jean. Je crois que c'était une coupe droite, mais c'est une coupe un peu évasée. Je vous montre sur le côté là. Le cardigan, j'aime beaucoup. Franchement, la qualité, elle est top. Il n'y a rien à dire, j'aime bien la coupe. Il n'est pas très long, mais ça me convient parfaitement. J'aime bien. Sincèrement, j'aime bien. Il est tout mignon. Simple, efficace. Je vous montre juste à côté avec le jean. Le jean, ben, ma foi, je l'ai pris en S. Mon corps, il a tellement changé depuis que j'ai arrêté le sport, repris, arrêté, repris, arrêté, que je ne sais même plus ma taille. Donc bon, il est bien. J'ai un peu de marge. Mais enfin, il est bien quoi. C'est pas le jean mon préféré de tous les temps, mais il passe. Il est un peu évasé, mais ça fait un peu droit, je sais pas comment t'expliquer. Mais avec des baskets, ça peut se caler. Donc, je valide cette tenue. Alors, ensuite, ah ben ça, franchement, je pensais pas être aussi fan que ça, mais je kiffe. Et je l'ai mis avec rien en dessous, un soutien-gorge, c'est tout, pour voir s'il piquait. Il pique pas du tout, la qualité est douce. Franchement, celui-là, il existe en plein de couleurs. Il est super mignon. Il y a des petits détails en espèce de pluche comme ça. Je kiffe. Ça, un petit jean des baskets blanches, ça passe. C'est pas du tout mon truc, les fleurs. Mais bon, voilà. Franchement, il est tout mignon. Je valide grave. La qualité, il n'y a rien à dire. Je pensais qu'il allait piquer un peu, mais ouais, loup, franchement, je l'aime trop. Il est trop mignon. Alors, après, nous avons ce petit pull avec ses détails bien sympathiques. J'aime trop, moi, les petits détails comme ça sur les épaules. Franchement, j'aime trop. Je trouve que c'est mignon comme tout. C'est simple et efficace. Le pull, je l'ai pris en M pour qu'ils soient un peu plus longs. Donc, franchement, ça, c'est parfait. J'aime beaucoup trop. La qualité, elle est nickel. Et je l'ai pris en M. Je viens de le dire, non? Oh là là, je viens de veto. C'est insupportable. Insupportable, ma foi. Je me répète, je me répète. Il n'y a pas marqué la qualité 20% polyamide, polyester. Ok. En tout cas, il est super doux. Nickel chrome. Ça, je valide grave. On se rattrape un petit peu, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres flops. Ah, celle-là, je l'avais déjà essayé. Je l'ai pris en M. Ça, je pensais que c'était la même que chez Zara. Et franchement, je crois pas. Je ne sais pas si vous l'avez vu en vrai, dites-moi. Parce que la couleur, elle est bien représentative à la caméra. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai pris en M. Du coup, ça baille ici, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le dégradé, que j'aime pas du tout. La couleur comme ça, je ne sais pas, c'est hyper mystique, je trouve. Je ne sais pas, il y a un truc que j'aime pas. Je trouve que ça fait cheap. Dites-moi ce que vous en pensez, mes sahbis, parce que là, je n'arrive pas à me prononcer. Je pense qu'elle est un peu grande. Je sais pas, mais là, j'ai du mal avec la couleur. Enfin, je sais pas, j'ai beaucoup de mal. Donc ça, ça sera le deuxième flop de la vidéo. Et je pense que je vais pas la garder. Je suis pas fan du tout de cette veste. Ouais, non, j'aime pas. Pourtant, elle est doublée et tout. Mais je sais pas, il y a un problème visuel qui me passionne pas des masses. Bref. Alors, ensuite, très très belle surprise. On dirait qu'elle brille.
Mais elle brille pas tant que ça. Ouais, non, elle brille pas tant que ça. C'est la caméra qui fait ça. Franchement, la qualité de ce manteau, c'est un truc de ouf. Et moi, je l'ai pris, pourquoi? Parce que le col, il s'enlève en fait. Et je trouvais que si, je me suis dit, si la fourrure, elle est cheap, je la vire et basta. Il est entièrement doublé à l'intérieur. Franchement, la qualité, elle est incroyable, les filles. Truc de dingue. Franchement, je la kiffe. Donc, du coup, il y a des poches qui sont pas hyper pratiques. Oh, si, ça passe. Je suis mauvaise langue. Franchement, ça passe. Franchement, cette veste, elle est incroyable. Donc, elle se ferme de la sorte. La qualité, c'est un truc de malade. Je pensais pas, tu vois. Mais quand je l'ai vue, je sais pas, j'ai eu un petit coup de cœur et je me suis dit, prends-la. Franchement, cette veste, les filles, elle est incroyable. Foncez. Sincèrement, cette veste, je la kiffe. Ah ouais, gros coup de cœur pour cette veste. Magnifique. Mince, j'espère que vous allez m'entendre parce que j'ai mis le kit main libre. Du coup, ça donne ça. Je l'ai pris en M, elle est sublimissime. Il n'y a rien à dire. Et encore mieux, je pense, sans fourrure. Elle sera encore mieux et ça tiendra chaud quand même parce qu'elle est moumoute à l'intérieur. Sincèrement, un big coup de cœur pour cette veste. Incroyable la qualité. Je kiffe. La fourrure, elle n'est pas trop dégueulasse en plus. Hein, c'est de la fausse fourrure, bien sûr. Elle n'est pas trop dégueulasse, ça fait pas trop cheap. Oh, je l'aime trop. Franchement, ça va être ma veste de l'hiver. Je l'aime trop parce que l'année dernière, j'ai acheté un blouson et j'étais tellement en vrac que je peux plus me le voir, le blouson. Je ne peux plus. C'est une doudoune. J'ai du mal à la mettre. Enfin bref, laisse tomber. Vis ma vie de mhabil.com. Non, cette veste, magnifique, les filles. Sincèrement, incroyable. Elle est lourde et tout. La qualité, c'est un truc de mhabil. Et du coup, c'est la marque Jolchon. Je sais pas comment ça se prononce. Mais franchement, sublime. Énorme coup de cœur. Ah ouais, franchement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je suis agréablement surprise et je suis bien contente de l'avoir prise. Alors après, je vous mets la tenue ici. J'avais pris un jean qui est extrêmement taille haute, en taille S. Bon, il y a un peu de marge, vite fait. Il est un peu plus long que l'autre parce que ce n'est pas dans la catégorie petite, celui-là. Il est un peu plus long, mais je pense qu'avec des baskets, ça passe. Ça passe et ouais, ça va passer avec des baskets. Et du coup, j'avais pris ce petit pull intérieur un peu moumouté. C'est de la marque Daisy. Et je l'avais pris en M, il me semble. Mais franchement, celui-là, il est canon. Il y a plein de couleurs. Donc ça, je pense que je vais le reprendre en d'autres couleurs. Parce que ça, c'est un top basique à avoir qui va avec tout. Donc sincèrement, il est nickel. Il est nickel. Et bon, il n'est pas très long, mais franchement, la qualité, elle est nickel chrome. Il va tenir chaud en plus, juste avec un petit manteau, ça, t'es tranquille pour dehors. Surtout en cette période misérable, ma foi. Franchement, nickel. Le jean, je suis pas extrêmement fan du dégradé, mais ça passe. J'en ai marre en fait de mes slims, je peux plus me les voir. Du coup, je cherche des jeans droits. Et quand t'es petite, c'est un peu une galère, on va pas se mentir. Donc bon, ça se met, on va dire que ça se met, mais je suis pas. C'est pas mon coup de cœur de la. Alors ensuite, j'avais pris un lot de trois soutiens-gorge. Je suis dégoûtée, c'est du 85B. À mon avis, ils vont être immenses. Parce que comme j'ai pris de la chma, j'ai aussi pris des bzazoul, mais quand même pas à ce point-là. J'ai pas, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas pris de chirurgie esthétique. Donc il y en a deux noirs. C'est un bleu ou un noir? En plus d'être sourde, je deviens un miro. Il y a deux noirs et un rose. Du coup, je pense que je vais les filer à ma copine Aurore. Parce qu'ils vont être trop grands pour mes bzazoul. C'est dommage, la qualité était là. Et ça va être bien trop grand. Alors après, j'avais pris cette petite veste de sport avec les pouces. Ça, je kiffe depuis la nuit des temps. Il y a des poches. Je ne vais pas trop me baisser parce que je ne me suis pas habillée en bas. Bref, donc il y a des poches. Elle est impeccable. La qualité, il n'y a rien à dire, franchement. Ça, c'est des valeurs sûres sur Shein. Je kiffe. Ça, c'est vraiment de la bombe atomique. Je vais me casser la gueule. Oh, merde. Ça, c'est un ensemble de sport. Je les ai déjà présentés. Il y a belle lurette. J'arrive plus à parler. Bref, le haut, je ne le mettrai pas tout de suite parce que j'ai trop pris de chma et franchement, je me sens mal à l'aise. Mais c'est des ensembles que j'ai en plusieurs coloris et qui sont quali de ouf. Donc ça, je vous les recommande à 200%. J'ai pas mis de culotte sans couture, là, donc ma culotte va se voir. Et ça, c'est de la qualité de ouf. Tu es tranquille quand tu t'entraînes. Et ça va me remotiver à bloc. Donc, c'est parfait. Nickel au chrome. Je l'ai pris en M. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais dû prendre du S, mais bon. C'est pas grave. Après, j'ai pris ce lot de 14 paires de chaussettes, ça sert toujours. Et comme de, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je perds toutes mes chaussettes, c'est un massacre. Du coup, il y en a des blanches et des noires. C'est super, il y a 14 paires, c'est pas très cher. Donc ça vaut le coup de ouf. Alors après, nous avons cet ensemble qui, ma foi, est très mignon. La qualité, elle est là. J'aime bien les petits effets de petits points là, en noir là. C'est mignon comme tout. Pourquoi pas le caler avec des baskets noires ou blanches?
Ça peut passer. En fait, je l'avais vu sur une fille que j'apprécie particulièrement. Anaïs, si tu passes par là, je te fais un bisou. Et elle le portait, ça faisait canon, avec des New Balance beige. Magnifique. Mais je sais pas, sur moi, j'ai du mal. Peut-être la couleur, je sais pas. Je suis pas habituée. Je ne sais guère. En tout cas, la qualité, elle est là. Il n'y a rien à dire. Il existe en gris aussi. Il veut dire, il existe en gris aussi. Il est très joli en gris d'ailleurs aussi. Je sais Alors pas. après, on a cette petite robe. Le meilleur pour la fin ou le pire, c'est comme vous voulez. Et du coup, j'avais pris des colons. Ah, ils se sont trompés. Ils m'ont envoyé une paire de colons avec des petits cœurs. Mais c'est pas grave parce que je voulais tester la qualité. Du coup, ce que ça valait les colons sur Chine. Parce que j'avais pas kiffé de ouf les colons polaires là. Bref, ça ira pas avec la tenue, faites pas attention. Mais je vais laisser avec les colons et une petite paire de bottines que j'ai prises aussi pour voir ce que ça donnait. Du coup, on va voir ça ensemble. Alors les collants, oubliez Benti, dès que je les ai mis, ils sont craqués, ils sont filés, donc c'est même pas la peine. Du coup, en plus, ils mettent taille unique, mais franchement, taille unique, si chaud les ballons, parce que franchement, voilà quoi. Ça me sert pas, mais je suis pas non plus au max de ma puissance, tu vois. Et en plus de ça, avec une robe comme ça, qui est quand même courte, je préfère avoir des collants opaques, sincèrement, je me sentirais super mal à l'aise. Dès que tu te baisses, on va voir ta quelle heure. Ah, c'est pas trop mon délire. Alors là, vraiment, un énorme coup de cœur sur la paire. Elle est trop mignonne, archi confortable. Il y a un talon qui fait pas, comment dire, quand les talons sont trop petits, moi j'aime pas personnellement. J'en parle jamais, mais il faut un minimum de talons pour avoir un peu de classe, tu vois ce que je veux dire. Cette paire, elle est trop mignonne, j'ai grave kiffé, super confortable. Et du coup, je l'ai pris en 36 et j'ai bien fait. Elle est super mignonne. Énorme coup de cœur sur cette paire. Et en plus de ça, ouais, il y a un peu de moumoute à l'intérieur, vite fait, histoire de tenir chaud, je sais pas si vous allez voir. Nickel, cette paire, énorme coup de cœur avec le manteau en fourrure là. Franchement, c'est les deux coups de cœur de la commande. La robe, elle est mignonne. C'est pas une qualité de ouf. Elle est un peu transparente par-ci par-là. Donc, c'est pas une qualité exceptionnelle, mais elle est mignonnette. Dommage qu'elles soient un peu courtes. Et c'est pas une qualité de ouf. Mais franchement, elle se porte bien. Par contre, je n'ai pas réussi à la fermer toute seule jusqu'en haut. Donc, c'est un petit détail qui a son importance. Donc, j'en ai fini pour ce haul, mais j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire quelle pièce vous avez préférée. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que ça sera un crash test ou Huda Beauty parce que j'espère avoir le temps de faire ma commande et qu'il n'y aura pas tout sold out. Bref, salam alaikum les jeunes. Prenez soin de vous, gardez la pêche et la santé. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, mes sahbis. Et il y a une sahbi qui m'a dit de reprendre mes vidéos sport. T'inquiète, elle va s'y remettre. On va s'y remettre ensemble, on va se remotiver, on va se rebooster et on va partager nos ondes positives. Voilà. C'est ça qu'on veut pour 2023. 2024, on y arrive. Bref. Salam alaikum les gens. Prenez soin de vous, gardez la pêche et la santé. Bye.